Et c'est ainsi que voilà, on enchaîne avec Zelda, le même qu'on attendait d'acheter. Hein. Ouais. En plus, qu'elle m'a fait un petit cadeau, alors du coup, ben, je suis encore tout. Et oui, c'est Didine qui a fait la surprise. Ouais, parce qu'en fait, je lui avais parlé il y a au moins longtemps ça, Zelda sur la Game Boy. Et du coup, ben, quelques années plus tard, ben, en fait, ben, ils ont fait celui-là. Mmh. Alors, et au début, on s'était dit, on va attendre. Ouais. On regardait des vidéos, puis je voyais notre petit set du salon qui était là. Oh, quand même, il est bien. Donc, on va voir s'il est bien tous ensemble. Ben ouais, voilà, oui, c'est vrai, en plus. Donc là, tout de suite, on va aller plonger, parce que là, c'est vrai qu'on vous a fait un petit. J'avais lu les critiques par rapport à ce jeu, comme quoi que, ouais, ce Zelda, il est pas nanani, nanana. Ah ben, c'est sûr qu'après Zelda Breath of the Wild, ça n'a rien à voir. Si vous vous attendez à quelque chose comme Zelda Breath of the Wild, c'est pas ça du tout. Ah oui, oui, hein. Quand on vous parle de l'univers Game Boy, ceux qui l'ont connu sur Game Boy comprendront. Voilà, parce qu'en fait, ce jeu-là, c'est juste pour la nostalgie, quoi. Merde, putain, je m'en doutais. Ah ouais, 8 caractères, hein, pour le jeu. Ah, là, tu mets 7. Hein. C'est instinctif. Voilà. Parce que 7 du salaud, ça ferait pas trop. Non. Et voilà. Alors, du coup, moi, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Ah oui, sur la Game Boy, je l'ai fini en plusieurs fois. Hein. Il n'y a pas de souci. Étant donné que là, on va voir. Hein. Là, c'est oui. Non mais c'est un peu bizarre. Hein. Il revient à lui, bah oui, puisqu'il était évanoui sur la plage, ce pauvre petit. Ouais. Eh, on dit c'est pas Mario là-bas. Hein. Si, c'est Mario. Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devais cauchemarder. Quoi, Zelda? Tu dois être encore patraque. Je m'appelle Marine. Tu te trouves sur l'île Cocolint. Et dis donc, on dirait un peu de l'aménagement de... Oui, Animal Crossing, je dirais. Oui. Avec le palier au coin de la pièce, tu sais, on dirait... C'est exactement le même angle de vision, tu sais, quand t'as une chambre et tout. Dans le sous-sol, là. Et en plus, que t'as vu, ils partagent la même pièce pour dormir. Et tu vois, le petit clin d'œil, je trouve, à Animal Crossing, enfin, peut-être que je me trompe, hein, vous me direz, mais l'entrée, tu sais, comme ça, de la pièce. Ah, quand tu comme descends ça, en bas, là, ouais, pour aménager et tout, ouais, ça fait un peu... Bon, alors, on continue. Mais bon, comme on découvre, bah vous voyez, nous, quand on découvre des jeux, on regarde, tiens, c'est quoi les clins d'œil, ça nous rappelle quoi sur Nintendo. Oh la vache, oui. Mais n'empêche, sur Game Boy, il ressemblait grave à Mario, lui. Hein. Bah là, il ressemble, hein. il y a un air. Hein. Il y a un petit... Ouais. Bon alors, Seb, t'es réveillé, je m'appelle Tarquin ou Tarquin, je sais pas. Ouais, Tarquin. Tu te sens mieux? Quoi, comment, chez ton... Bah ouais, comment c'est son nom? Ben, c'est gravé sur ce bouclier, d'ailleurs, il est tatoué, je te le rends. Quand même le pauvre Link, bon, il est pas au plus beau de sa, il est pas au top de sa beauté. Hein. Ben c'est vrai. Mais je sais plus si dans la, enfin si dans la Game Boy il avait la même tête, je crois. On a toujours les petits cœurs de vie. Hein. Ouais, ça n'a pas changé. Au fait, il y a un autre bidule qui est resté sur la plage. Ah. Ouais. Si tu y vas, fais attention au monstre. Car depuis que t'es ici, des monstres, il y en a partout, Ced. Il y en a partout, c'est vraiment une horreur. Il y en a partout. Suis le chemin vers le sud et tu arriveras à la plage où je t'ai trouvé. Mais sois prudent, depuis que tu as échoué ici, des monstres terribles rôdent. Je sais, mademoiselle. Il vient de le dire. Ouais. Mais en plus, je travaille pour le Père Noël, t'as pas vu mes oreilles? Je suis un lutin, j'ai été viré par le Père Noël, c'est pour ça que je suis dans ce monde. C'est peut-être pour ça que j'ai apparu sur l'île. Alors, voilà. Village des mouettes. Bah oui, on est au bord de la mer. Ouais. Ok. Wow. Ah, tu pouvais parler de la poule, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui est apparu quand t'es passé à côté de la poule. À soulever. Okay. Ah oui, je me rappelle. Est-ce que tu crois que tu peux manger la poule? Ah non. Non, il peut pas, non. Ah, dommage. Hein. Ouais, on a des idées bizarres. Hein, ouais. C'est on teste tout. Hein. Ah non, je peux pas porter le chien. On va continuer. Ouais. Alors. On va peut-être parler au petit jeune homme. Ouais. Les grands disent que quand vos cœurs diminuent trop, il faut aller voir une grande fée. Pourquoi? Je ne sais pas, je suis trop petit.
Vous pouvez regarder la carte de l'île en appuyant sur moi. Et puis vous pouvez y placer des balises avec A, et aussi vous remémorer les souvenirs avec X. Non mais Est-ce que tu peux dessiner Naruto? Après je sais pas trop hein, car je suis qu'un gosse. Hein. Ouais bah t'es qu'un gosse mais tu viens de me donner des ordres hein. Ouais. Alors ok. Alors c'est là d'où on vient. Oh, oh il y a un zoom. Ah ça c'est pratique. Ok. Alors le A c'est une balise. T'as ouais. vu? Et donc X c'est un souvenir. Ok. Ok. Dissimuler des infos Y. Y, que ça fait ça? Pour dissimuler des infos, mais on n'a pas trop d'infos pour l'instant. Attends, imagine, voilà. Ah bah, dissimuler. Ah, ça cache en fait ce qui est ouais, mis. Ok, voilà, d'accord. Ouais. Non, je vais enlever. Voilà. Bon, bah on retourne. C'est quoi, quoi? Ah, les souvenirs. Ouais, c'est Marine, le souvenir, ouais. Ah, ok, bon, mais excusez-moi pour ce petit truc. Hein, il fallait... Nous, on découvre. Voilà, et vous aussi. Parce qu'il y a des trucs sur la Game Boy qu'il n'y a pas. Ah, il fait des galipettes pour ce coup. Ouais, ouais. Là, on est sur la plage Coco. Ah. Ok, donc le bouclier permet de pousser les mines. Ouais. Ah, après, l'épée. Là, il va avoir les bouts, là, après, qui va faire chier. Il y a l'épée. Ah, je m'en doutais qu'il y avait les bouts qui... Non, mais pour la vie, ouais, c'est pas grave. Ouh, ouh. Cette épée est donc à toi. Je comprends mieux pourquoi les monstres s'agitent tant. Le héros, celui qui doit réveiller le poisson rêve, est arrivé. Le héros, il fait comme ça? Ouais. Ok. Par contre, t'as vu, là, t'as le Poképic là-bas qui me regarde, là, genre... La mine Pokémon, là. Ouais. On dit que le héros ne pourra pas quitter l'île tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Viens me voir dans la forêt enchantée, au nord du village. Eh hey, mais la forêt enchantée, c'est dans la série Once Upon a Time. Ouais, ouais. Qui est très très bien, je vous la recommande. Ah, Once Upon a Time, ouais, 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 c'est un truc de malade. Ouais. Et c'est pas un placement de produit. Hein. Rumpelstiltskin. Ah, Rumpelstiltskin, ouais. Oui, putain, je t'y attendrai. Coucou. C'est mon personnage préféré. Ouais. Ouais. Monsieur Gold. Alors, A pour prendre, ok. Ouais. Vous avez retrouvé votre épée, c'est la vôtre. Car votre nom était inscrit dessus. Comme ça, si t'as Alzheimer, tu la retrouveras. Voilà. Parce que non seulement il est petit, mais il sort d'une école maternelle. Il est amnésique, il est pas grand. Hein. Alors, attaquer les ennemis qui se dressent se retrouvent avec B. Donc, il faut appuyer sur B. Okay. Ouais. Pour taper. Oh la vache. Et ce que je voyais tout à l'heure, coquillages, ramasser, tout ça, faut ramasser des trucs, non, c'est pas? Ouais, ouais. Mais les coquillages, je crois que ça vient après. Bah, je sais pas, parce qu'il y a la Yona là, on peut pas essayer de ramasser? Non, je vois dans le sable. Ah, ouais, il me faut une pelle. Ah, oula. Putain, la vache. Je vous explique même pas la façon, enfin, ce que ça me fait, c'est de toucher un ancien jeu à remis au goût du jour, quoi. Mais il est bien fait, hein. Ouais, il donne plus envie que chez la Game Boy. Hein. Bah, en fait, ce qui est un petit peu bizarre, j'avoue, c'est ça, là. Ouais. T'as vu, regarde. Ouais. Tic, 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 tic. Ah oui, non, mais ce qui te fait bizarre, c'est parce que tu as connu Zelda Breath of the Wild. Et de revenir sur un Zelda comme ça, c'est... Bah, celui-là, sur la version Game Boy, hein, c'est ce que j'y ai joué, hein. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de... Mais il est bien fait. Mais les couleurs sont oui, sympas. Ouais, ouais, ouais. Ça fait un peu plastique, mais c'est génial. Ça fait un peu, ouais. Enfin, non, mais j'aime bien. J'allais dire, il y a un petit côté aussi Pokémon, je sais pas, je t'entends. Ouais, un peu, ouais. Le Pokémon de la Game Boy, je parle. Hein. Wow. Oh la vache. Faut peut-être qu'on rentre dans les maisons, non, je sais pas. Ou faire les champs, là. Ouais, pour faire un jeu. Enfin, si ça y est sur cette version. Ah. Vous avez obtenu un coquillage. À quoi peut-il bien servir? That is the question. Ouais. We don't know. En gros, faut vraiment tout explorer, quoi. C'est. Oui, oui. Et t'as pas un temps en partie là pour les ramasser, non? Ça reste. Bon, en fait, ça clignote. Et après, il disparaît.
Et tu crois que ça repousse là, toutes les plantes là? Ouais. Ce qui est ici, c'est du chien dent. Ou. Non, c'est de la misère. Tu veux savoir pourquoi? C'est de la misère. Parce que tu sais que la misère, quoi qu'il arrive, ça repousse. Mais voilà, tu vas voir. Tu parles pas à la vieille dame? Oui, si, si. Bah, avant, j'aime bien rentrer dans les maisons. Non, je te dis, ça me fait penser à Animal Crossing, quoi. Tiens, tu vois, leurs lits, ils sont collés. Parce que c'est un petit couple. C'est Pépé le Ramolo. Ouais. Comment dire? Téléphone à l'extérieur. Pépé le Ramolo n'a pas l'air d'être un grand causeur. Ouais, il s'est parlé que à travers un téléphone. Ah ouais? Ouais, parce qu'il souffre de... C'est Mamie Youpi, elle est avec Papy Ramolo, dis donc. Eh ben, ma chérie Youpi, on va faire la boue. J'ai la pêche et toi? Ok, juste ça. Ah oui, alors surtout, ne tapez pas la poule avec ça, parce que dans la version Game Boy, ils veulent en avoir tout plein qui vient vers vous et vous tuer. Ouais, tu sais pourquoi je rentre dedans? Ah. Jeu dangereux. Alors là, on a Yoshi. Ouais. Yoshi! Que fais-tu, mon ami? Bienvenue au jeu dans le vent. 10 rubis la partie. Ah bah, t'en as 15. Ouais. Pour déplacer la pince, appuie sur les boutons. Le reste n'est qu'une question de timing. Ouais. Allez, va te placer devant les boutons. Bonne chance. Et bonne chance, maintenant. Hein, quoi? Non, je disais bonne chance, gamin. Ah, ok. Bon, alors... Oh putain, c'est trop sensible. Non. En bas. Au revoir, dit Ruby. Oh. Au revoir, les enfants. Purée, non. Hey, t'as perdu, gamin. Tu veux faire un autre essai? Ah oui. Désolé, Patty. Tu n'as pas assez de rubis. Reviens plus tard. Mais qu'est-ce qui est con, gamin? Non, mais t'as vu, même quand tu sors de la pièce, ça fait un peu comme Animal Crossing. Ouais. Il y a, tu sais, cet écran comme ça. C'est vrai. Tiens, regarde. Tu vois? C'est du chien. C'est du chien dent. C'est de la misère. Ah, c'est bon, gamin. Suffisamment, hein. Ah, hop. C'est quoi que tu veux à tout prix là? C'est ce que j'essaye d'avoir. C'est le petit Yoshi pour le donner à un gamin et le gamin qui me donnera. Enfin, il y a. Enfin, c'est la même chose que sur la Game Boy. Hein, ouais, ouais pas, bah, hein. J'espère parce que. Allez, je joue. Bah, sinon, on continuera un petit peu d'explorer ailleurs. Ah, bah oui. Bah oui, on va pas tout de suite se jeter dans l'aventure avant de faire des petits. Ah, bah là, on est dans la découverte. Hein. Ouais, oui. Hein. Bon, alors là, je vais faire attention parce que c'est vachement trop sensible. Non, mais là, elle se fout de ma gueule. Hein. Mais tu peux pas déplacer, tu peux encore un peu voir. Ah, mais non, je suis con parce que regarde, moi je le fais avec les flèches. En fait, regarde. C'est XCH, je t'ai dit. Ouais, ouais. Non, mais. Oh. Mais à quoi se faire la voix off, les amis? Mais aidez-moi! Ils ne m'écoutent pas! Oh, monsieur l'arbitre, attendez, là. Ah, il l'a touché, là, il l'a touché, là. Ah ouais, mais non, mais je suis vraiment désolé, hein. Cette fois-ci, je vais m'appliquer, hein. Oui, je m'arrête là, il y en a marre, monsieur. Qu'est-ce qu'il est con, ce gamin? Bon, alors. Là, on va essayer de faire très très vite et là, on va faire attention parce que là, j'ai rien écouté du tout. C'est du sang, il fait n'importe quoi. Oui, mais c'est une découverte. Hein. Tu sais, les gens, quand ils vont avoir le jeu, ils vont pas le finir en une demi-heure. En même temps, j'espère pas parce qu'il coûte quand même 59,99€. Donc, tu te dis, bon, il va nous durer un petit moment. Hein. Ouais. Bah, moi, mon record sur la Game Boy, c'était. En quelques heures, hein, j'avais fini. Ouais, mais ça, c'est des speedruns, tu cherches rien. Oui. Là, le but, c'est vraiment, bah, du coup, qu'on regarde partout, ça, comme ça, vous, le saurez, vous regardez aussi. Hein. Allez, il m'en manque plus que deux, là.
Voilà, cool. Ouais. Comme ça, si jamais je rate encore mon coup. Eh ben, tu rateras encore un coup. On foncera dans l'aventure. Ouais. Parce que de toute façon, tôt ou tard, je serai obligé de faire ça. De toute façon. Parce qu'il y aura un truc qui fait que ça servira pour avancer. Bon, alors là, il faut que je fasse attention. Oui, je veux jouer. Voilà. Donc, alors. Tu vois bien ce qu'ils t'ont mis en haut, celle du salon. Oui, X, oui. Déplacé vers l'avant, et le A vers la droite. Donc, tu ne pourras pas aller vers la gauche. Donc, tu dois bien mesurer. Oui, alors le A sur la droite. Oula. Mais non, mais attends, c'est quoi sur la Game Boy? Clac, clac, et là, ils ont joué avec le truc qui glisse, là. Ils ont mis du beurre sous le cul du machin, là. Oh, purée. Ah oui, ils ont mis du beurre sous le cul de Yoshi, là. Ouais, ça pue cette histoire. Bon allez, dernière tentative et ensuite après, promis, on ira chasser les petites bébêtes qui font que... Ouais, on va y arriver. Voilà. Oh non, mais là c'est bon, là je vais aller dans l'aventure parce que là c'est. Hey, mais tu l'as? Non, mais c'est le jeu, il a eu pitié de moi, il me l'a donné. Mais t'as dit c'est bon, alors voilà. T'as dépensé 40 ou 50 rubis pour l'avoir, sinon ça y est, je te le donne. Désolé. Ah non, mais je l'ai arrêté. Hein. De toute façon, je vais l'arrêter. Ah putain, ta. C'est Yoshi, on le voit dans tout un tas de jeux ces temps-ci. Ça, ils font de la petite promo en même temps. Ouais, c'est. D'ailleurs, on a eu testé la démo qui était pas mal, ça. Vous êtes trop fort, monsieur. Bah, si tu savais combien j'ai dépensé pour l'avoir, gamin. La chance, ma maman voulait vraiment une. Vraiment un ou une, parce que c'est un Yoshi, hein. Une peluche, patate. Ouais, une peluche. Vous en avez de la chance. Ma maman avait vraiment envie d'avoir cette peluche. Comment où j'habite? Au nord du village, dans la maison qui a deux portes d'entrée. Et devinez où c'est qu'elle est, cette maison? Au nord du village. Voilà. Et ben, on va ici. Et ensuite, après, on prend la première porte ou la deuxième. Bah tiens, bien fait pour moi. Voilà, alors, t'as le gamin qui n'arrête pas de pleurer. Hein. C'est une histoire comme ça sur la Game Boy. Le nombre de lits. Ouais. Je suis pas poulet, le papa des quadruplés. Oh là, t'es dans la merde. Plus tard, je me perdrai dans les montagnes, tu viendras m'aider, hein. Ouais. Si je me souviens, oui, parce que je crois qu'on peut pas sauver un jour, enfin, je sais plus si on peut sauver ou non. Tu offres cette peluche de Yoshi à mon bébé? C'est quoi, c'est une question ou c'est un ordre? Ouais, c'est une question. alors, le 1, on en parle ou pas, là? Non, je sais pas. Est-ce qu'on en parle? Bon, on dira qu'on n'en parle pas, mais ouais. Bon. Oh, merci, tu es un gentil garçon. En échange, je te donne ceci. Ok, vous avez échangé votre peluche de Yoshi contre un ruban. Eh, le ruban, dame, je suis un mec, hein. J'ai les cheveux longs, ça y est, je suis une fille. Connasse. Je me demande si je devrais pas faire des vidéos dans ce genre-là. Je sais pas. Pense à YouTube. Pense à YouTube. C'est vrai. Ouais. Tu n'aimes pas. Je t'ai déjà dit, tu dois faire attention. Ouais, c'est vrai. Bonjour, Sad. Tarka est parti dans la forêt chercher des champignons. Miam, miam.
Moi, je préfère chanter. Écoute donc, c'est la balade du poisson rêve. Ah non, mais t'es pas obligé, hein. Oh merde. La la la, t'as vu, c'est la la la. Elle chante bien, ma passion, j'avoue. On dirait une sirène. Bah écoutez les amis, moi je vous propose qu'on fasse une petite pause rapide pendant qu'elle chante. Oui. Et à tout de suite. À tout de suite. Reste ici, c'est pas fini. Athéna. Athéna, je t'entends, Athéna. Oui, Athéna. Bon bah elle chante, hein. Je m'en vais. Non mais je m'en vais, hein. Bon bah. Je suis parti, hein. L'autre elle chante, ça y est, elle s'arrête plus. Ah oui, c'est là qu'on on va aller. Ah oui, je voulais vous montrer ce petit bassin que l'on peut pêcher. Du coup, je me dis que. Hein, c'est en même temps, c'est une découverte. Hein, pour vous montrer que ce jeu-là, hein, si c'est pas bien, hein. Si, c'est vrai, achète ce jeu. C'est pas du sponsoring ou tout ce que vous voulez. Hein. On a moins d'en avoir. Ouais. Alors, une partie de pêche, mon gars. 10 rubis. 10 rubis, c'est pour ça que j'ai vu zapper le truc. Ouais. Là. C'est vrai que je t'ai coupé pendant ton élan, mais il faut 10 rubis. Ouais. Oh la vache. Putain, si vous savez l'effet que ça me fait, c'est incroyable. Tu te répètes, papy. Ah ouais, mais c'est. C'est le papy, c'est doux. Hein. Marty sera peut-être bientôt papy. Il va tirer un grand de 16 ans. Allez, vas-y, Marty. Voilà, donc. Ah, tu chantes encore, toi. Voilà. Alors, pour jeter la ligne, maintiens A enfoncé. Plus tu maintiens longtemps, plus la distance de lancer est grande. En même temps, elle n'est pas énorme, le bassin. Ouais. Après, fais bouger ton leurre avec L. Dès qu'un poisson est ferré, appuie sur A pour monter la ligne. Bon, pour ceux qui ne pêchent pas un leurre, hein, c'est ce qu'on met au bout de la canne à pêche pour attirer le poisson. Voilà. Tu ne feras pas de pub à Décathlon, n'est-ce pas? Non. Non. Si tu veux le remonter vite, appuie rapidement plusieurs fois sur le bouton. C'est une lutte entre toi et le poisson. Décidément, c'est des clins d'œil Animal Crossing tout le temps. On va voir comment ça se passe. Bonne pêche, mon gars. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a plein de clins d'œil, il y a plein de jeux. Ah non, on dirait Mario, là. Quand je vois les poissons comme ça, je sais pas toi. Ouais, mais sur la Game Boy, c'était comme ça aussi. Ah ouais, ouais. Avec Nemo. Hé, Nemo. J'adorais, moi. Comment tu vas, Nemo? Ouais. Moi j'adorais ce qui est avoir celui-là là. Non pas toi. Oh merde, c'est. Ah oh, bah. Tant pis. Ou alors, vous ne vous connaîtrez peut-être pas, mais ça me fait penser, on a tous eu ce jeu-là, quand les enfants nés dans les années 80. Avec un aimant. On avait. La ouais, avec l'aimant. Ouais, la ouais. C'était le petit truc qu'on tournait, ça faisait un bruit horrible, quoi. Et ben, on s'amusait avec ça, les gens, hein, on était contents. Voilà. Ah, c'est génial ce jeu. On a tous eu, hein. C'est les poissons, s'ils ouvraient la bouche en même si temps. S'il y a quelqu'un né dans les années 80 qui n'a pas connu ça, franchement, j'y crois pas. Ah, bah non, bah ça, c'est clair. Ah, on a obtenu un fragment de cœur. Ouais, et on avait ramassé un champignon. Un coquillage. D'ailleurs. Un poisson. Aussi, ouais. Ouais, de 14 cm. Et donc, tu peux vérifier combien tu en as en ouvrant l'inventaire avec le plus. Ouais. Tu veux rejoindre? Ah ouais, d'accord, donc toi, chaque fois que tu veux pêcher 10 rubis, ça fait rêche, pour la vache. Ouais. Et à chaque fois, là. C'est pour ça que je passais un max de temps dans le petit endroit, là, où c'est que t'as plein d'herbes. Parce que, ouais, je passais des fois une heure là-dessus. Ah oui. Pour ceux qui disent, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Bon, on va voir ce qu'il y a dans le trou. Ta-da-da-da! Ah, bien joué! Ouais.
fallait bien montrer hein, ce qu'il y a dans le trou. Alors là, je suis à passer à 2. Voilà, vous voyez là, parce que j'en ai ramassé 2, donc hop, ça se rajoute ici. Voilà. Et par contre, l'inventaire, il est pas mal, hein, je trouve. Ah, il n'y a pas de... faites attention, il n'y a, pas de la sauvegarde automatique. Tu devrais peut-être sauvegarder. Ouais. Mmh. Ouais, au cas où. Ah si, il y a une sauvegarde automatique. Mais sinon, ça serait pas là-dessus. Ah, je suis mort 0 fois pour le moment. C'est génial, ils ont fait un truc pour voir combien de fois t'es mort. Et là, ça monte tout seul. Là, bah, je te dis, on dirait Animal Crossing. Ouais, ça a l'allure d'Animal Crossing à cause de l'effet plastique. Non, mais c'est surtout le fait, l'agencement des maisons, l'entrée, quand ils sortent, t'as pas vu les escaliers? Si. C'est ça aussi Animal Crossing, quand tu montes là, à l'étage, tu fais un truc et puis après tu vois plus, tu vois le gars. Ouais. Hey, je suis ici. Bienvenue dans la forêt enchantée, jeune héros de l'éveil. Est-ce qu'il y a Chantal Goya? Apprends que la bien mystérieuse île Coconut n'existe sur aucune carte. Bah, elle est mystérieuse. Ouais, mais je connais l'histoire, mais je vais pas vous la spoiler. Les règles qui la régissent diffèrent un peu de celles de l'endroit où tu viens. Mais sache que tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve, la divinité de l'île, dormira. À propos, as-tu aperçu la caverne Flagello située au sud du village? Flagello? Il mange les flageolets. Ah, ça flagelle ça. Ouais. La clé permettant de l'ouvrir est cachée dans cette forêt. Trouve-la avant de t'y rendre. Le poisson rêve te regarde. Ouh. Le poisson rêve te regarde. Ouh. Il fait penser à quelque chose, Libou, mais je cherche. À un Pokémon. Il y avait une sauvegarde là, je sais pas si t'as vu. Hein. Il y a eu écrit sauvegarde. Si, il y a une sauvegarde automatique. Bon, bah, je retire ce que j'ai dit. Hein. Ah ouais, là j'irai pas tout de suite vers lui là. Ah oui. Ça en vaut 10 les bleus. Ouais. Tu vois là lui là. Mmh. Hein. C'est Mario qui a consommé trop de champignons. Oui, vous allez comprendre pourquoi. La prise en main du jeu n'a pas l'air difficile. Bon, non, même non, si non, toi, tu connaissais la version difficile. Il n'est pas difficile. Hein. Ouais. Mais ça fait bizarre que l'on peut jouer qu'avec, qu'avec le joystick et non pas avec la croix direction L. Hein. Parce qu'avec la croix direction L, ça ferait encore plus nostalgie. C'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas pensé à ça. Mais c'est pas grave parce que il a bien été retapé ce jeu. Je ne trouve rien à dire de désagréable au fait. Pourtant, j'aimerais trouver un truc désagréable à dire. Mais de toute façon, les Zelda, quels qu'ils soient, c'est tout bien fait. C'est vrai. C'est là tout de suite que je dois me rendre devant la sorcière qui va me demander un champignon. Et la sorcière, elle est là. Ah oui, alors ça, il ne faut jamais taper dessus parce que... Ouais, c'est bon. Ah, puis là, t'as perdu, hein. Oh, oui, j'ai assez, mais c'était juste pour montrer les dégâts que ça fait. Putain, j'adore entendre cette musique, là. Tralali, tralala. Un champignon, 3 petits tours, et la poudre magique apparaîtra. Tralali et tralala. C'est tout ce qu'elle dit? Eh oui. Ok. Par contre, là, j'ai un peu peur de mourir. Hein. T'as deux cœurs là. Ouais, j'ai vite. Coupe,
coupe des trucs pour voir ce que tu trouves. Hein. J'ai envie de te dire. Oh, oh la vache. Ouais. Un fragment de puissance, vous pouvez sentir l'énergie envahir votre corps. Ça, ils y ont laissé ça. Ah, la classe. Ça, je te dis, coupe des trucs depuis tout à l'heure. Attends, il faut que je me rappelle où il est ce champignon. Et j'ai prévu que ça allait être un petit peu vague. Hein. Peut-être le truc est dans le coffre. Oh la vache. Ce qui est pire, c'est qu'on peut pas rester trop longtemps dessus. Purée. Oh la vache. Ah, sur ça, tu veux dire. Et ce qui m'emmerde, c'est la chauve-souris. Voilà. Ah mais oui, on peut... T'as un petit cœur là-bas, si tu peux l'attraper, ça peut être bien. On peut y péter, ça. Fallait combien de secondes, en fait j'ai... Je sais pas. Je vais pas continuer à compter. Je voulais savoir en combien de secondes ça peut rester. 50 rubis. Ouais. À mon avis, il faut que t'ailles plus loin, peut-être voir ce qu'il y a là-bas. Ouais, là au fait, là il faut que j'ai un anneau de puissance pour pouvoir prendre. Parce que sinon je peux pas. J'ai pas assez de force, je suis impuissant. Ah, il est là le gros champignon. Ouais, il est là, ouais. Putain. Ouais, tu me regardes bêtement. Je le prends. Vous avez ramassé un champignon, un arôme subtil exalte votre sens de l'odorat. Ouais, t'as vu la gueule du champignon. Fais gaffe, surtout à pas mourir parce que le cochon là, il est vénère. Que tu fais, papy? Tu coupes de la viande? Va, j'ai break dance, connard. Où c'est que tu vas? On rebouche chemin. Et mince. Cette fois-ci, celle du salon va se concentrer. Bien beau de faire le foufou, mais... Voilà. Ah oui, parce qu'en fait, par moment, tu reviens sur tes pas pour aller voir la sorcière. Il faut que j'utilise le champignon. Ouais, j'ai cru que j'allais tomber dans le trou. Ouais. Hop, voilà. T'as vu, hein, j'ai mis mon bouclier pour me protéger. Je pense que ceux qui connaissent pas la version Game Boy, ils doivent galérer le début. Hein. En voilà un beau champignon qui endort. Bon, je te concocte la potion. Au revoir. Attends, sur la Game Boy, elle va deux fois plus vite. Ça y est, c'est prêt. Attention, il y en a peu. Attention, il y en a très peu. Si tu veux, tu peux. L'essayer en ici. C'est dur de faire le con en relisant, en fait. Vous avez obtenu de la poudre magique. Ouvrez votre inventaire avec plus, puis assignez-la avec X ou Y. Alors, hop.
tu as cours, il t'a suffi de me ramener un autre champignon de la forêt. Je t'en concocterai à nouveau. Si tu n'as pas de champignons, je peux aussi partager avec toi la poudre que j'ai en réserve. Il t'en coûtera quelques rubis. Parce que sinon, mes services sont pas gratuits. Hein. Ah, ça marche pas sur les... J'avais cru pour une version Switch que lui, ça pouvait... tu vois. Attends, on va voir combien ça coûte. 50 euros. Oh la vache. Non, madame. Je m'approche des 100. Hein, parce qu'il me faut 200 rubis pour que j'achète la pelle. Et comment on fait pour s'en déséquiper là? Bah, je sais pas, la DX, Y, je sais pas. Bon, ben, on peut pas s'en déséquiper. Donc là, tu vas où là? Là, il faut que j'aille là où il y a le fameux. Tu sais, le château là. Le premier donjon. Mais juste avant, il faut que j'aille voir le petit Mario qui a bouffé des champignons bizarres. Hein. Qui se trouve ici. Parce que sinon, regarde, si on fait pas ça, regarde. Tu vas te perdre dans la forêt. Hihi, bien fait. T'as vu où c'est qui nous a téléporté? Alors... On t'a remis au point de départ. Hein? Mais justement, c'était pour montrer ce qui arriverait. Oh la vache! Ah, je sais pas ce que j'ai fumé, les gars. T'as vu, ils ont fusionné Mario avec Luigi, ils ont mis la barbe. Ouais. Ouais. J'ai croqué dans un champignon et puis j'ai rêvé que j'étais devenu un raton laveur. Ah bah si tu savais... Comme d'Animal Crossing pour la pioche. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'était trop rigolo. T'as vu, il y a une sauvegarde automatique. Ouais. Oh là là, je me sens tout drôle. Je vais me reposer avant d'entrer, hein. Voilà la clé. La clé flagello. Vous pouvez ouvrir la caverne flagello maintenant. Ouais. Ah bah. À présent, rends-toi à la caverne flagello, au sud du village. Une fois à l'intérieur, récupère l'instrument qui y repose. Le poisson rêve t'attend. Wouhou! Je m'en vais. Tu fais une petite pause? Ouais, une petite pause. Et reste là, j'arrive bientôt. Donc bonjour à tous, tout de suite la suite. Si vous arrivez à ce moment-là, on est désolé. Oui. Parce que si vous n'arrivez pas à ce moment-là, bah, on a bien fait une petite coupure parce qu'encore une fois, Avermedia Media avait un petit peu bugué, donc le son sera peut-être pas top top. Mais voilà, on espère que sur cette troisième partie, que ça ira mieux. Oui. Allez, on y va. Allez, on y va, là, tout de suite. Blablabla et fragments comme tout à l'heure. Bah ça marche pas sur ça, passé. Ah ça c'est con. Ça c'est ballot. Ouais. Bon, il faut que j'aille au sud du village. Ouais, comme t'as perdu un cœur, faut peut-être qu'on cherche quand même, hein.
Technique de gros lâche. T'as fait par derrière. Non, t'inquiète pas pour les cœurs, ils en ont pas. Voilà. Non. Je voulais faire un petit tour dans la pêche, mais je me suis dit que... Alors donc, il te fait penser à quoi déjà le hibou en fait? Alors, je réfléchissais, le hibou qui est dans le musée, dans Animal Crossing, quand tu revends les objets. Ah, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Ouais. Enfin, quand tu revends tes trucs de dinosaures, les insectes, les poissons. Oh ouais, mais c'est pas bête. Non, non, mais c'est pas bête. Quand on reverra, on regardera, mais parce que depuis tout à l'heure, enfin, quand je l'ai vu arriver déjà, je me suis dit, attends. Et voilà. Ah, c'est pas comme dans la Game Boy. Là. Faut que j'appuie comme ça. De toute façon, on va le voir. Là. Sauvegarde automatique. Non, on le voit pas. Pourquoi? Non, parce que je croyais qu'on allait encore le voir. Et voilà, la cave des flatulences. Et ça, c'est on dirait Mario. Ouais, c'est là les espèces de. Avec le casque, ouais. C'est pas dans le monde 8 ou je sais plus, ouais. Bah même quand tu finis le jeu, quand tu recommences le jeu à zéro, et ben en fait, à la place que ce soit des espèces de têtes de... Non, je peux pas dire ça sur YouTube. À la place que ce soit des champignons marrons, là, et ben c'est ce genre de truc qu'ils mettent. Bah, la petite clé, visiblement, elle peut ouvrir n'importe quelle porte verrouillée. Elle n'est pas attribuée à une porte, enfin, elle n'est pas affectée à aucune porte, quoi. C'est juste une clé passe. J'appelais ça des clés passe, mais... J'ai les réflexes de la Game Boy en plus. Oh, Pokémon. Vous avez obtenu la boussole. Maintenant, vous pouvez voir où sont cachés les coffres et le boss. Ouais. Ah oui, sur Stellect, celle-là, oui. Là, sur la Game Boy, ça, dans mes souvenirs, c'était un peu plus petit que ça. Enfin, remarque, c'est sur un grand écran et tout ça, donc c'est un petit peu normal de se dire wow. Ah, j'ai pas les bombes. Ah, c'est pas grave. Et t'as vu dans Hyrule Warrior, quand tu prends la fille, tu sais, la Link, Lincoln, je sais plus comment elle s'appelle, mais ben, en fait elle fait ta 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 ta, ben, comme le truc de cellulaire, ce jeu. Ah oui, ouais. Ah, il fonce pas sur toi comme ça, ok. Le cœur, il va disparaître. Le cœur. Aïe, aïe, aïe. Le cœur, c'est bon, le cœur. Je cherche mon papa. Je cherche mon papa. Oh bah. C'était quoi? C'était un gland. Oh. Et ouais, hein, tu peux plus me taper, toi. Hein. Wow. La statue semble vous parle, mais vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Oh bah.
T'as vu quand il est mort, tu sais. Eh oui, t'as vu? Ouais. Ouais, il dit prout. Ouais, prout. 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 C'était quoi le truc 3 là? Je peux pas le prendre, c'était un cœur. Oh la vache. Et maintenant je peux sauter. Ah, la plume de Rock. Soudain, vous vous sentez tout léger. Ouais, t'as vu, c'est la plume de Rock. The Rock. Ah, non, c'est Rock voisine, je croyais que t'allais dire, mais j'ai aussi là le chanteur. Attends, ah oui, voilà, comme ça. Hop. Tu vois? Et je les ai pas tués au début parce que vous allez comprendre pourquoi. J'adore faire ça. Oui, c'est les trucs dans Mario. Ouais. Bah, ma meilleure musique, hein. Une nouvelle clé, blablabla. Ah non, ce serait beaucoup trop tôt. Oh, Oscar! Ouais, Oscar! Oscar le squelette! J'en veux un d'Oscar, moi. Oh, t'as eu chaud là. Ouais. Oh non. Oh non, ça c'est... ça c'est chiant. Merde. Parce qu'il faut qu'ils ont tous les trois le même symbole. Ah, purée. Yes. Vous avez obtenu un bec de pierre. Maintenant, il faut trouver une statue de hibou. Ah ben, il y en a une là. Ouais. Avec ton bouclier, renverse les créatures aux pointes acérées. Allez, on y va. Pourquoi t'es revenu en arrière? Pour ça. Et ouais. Parce qu'en fait, quand tu es dans un donjon, il faut vraiment aller partout. Ouais, ouais, c'était une carte qui le disait. Et voilà, c'est toi. Et les machins, en fait, après, je dois aller là, comme ça, ici, après, parce qu'il y a un truc à faire. Oh, comment j'ai fait pour me faire toucher? Tu vois. Et ouais, hein, faut... La première fois que j'ai joué à Zelda sur la Game Boy, c'était une galère. Combien de fois j'en ai voulu au jeu, je l'ai... Je...
Bon, ensuite. Oui, j'ai pas la bombe. C'est toi, j'ai pas la bombe. Alors, du coup, voilà, quoi, ce passage-là, il va rester comme ça. Alors, du coup, je dois monter en haut. Oh, t'as plus qu'un cœur. Ah ouais, un bah, demi-cœur. Bon, bah, on va arrêter. Hein. Ça craint parce que ici pour récupérer des cœurs. La clé du boss. Tu peux désormais ouvrir la porte de la salle du boss avec un demi-cœur. Ouais. Why not? Va-t-il y arriver? Ça me fait penser avec moi, Pichon, tu sais. Avec ma petite vie là. Ouais. J'ai fait d'atterrir dans le vide. On va essayer de récupérer des cœurs. Hein. Mais de pas en perdre. Et dans ton inventaire, il n'y a pas moyen, tu n'as pas... Non, il n'y a pas de truc pour se soigner. Ah, il revient pas. Ah bah. T'as 2,5. Le gars qui espère, tu sais. Donnez-moi un cœur. Donnez-moi un cœur. On vous le rendra. Ouais, avec une grande joie. Oups. Bon, on va devoir y aller comme ça. Oh non. Un gland de défense. Il réduit de moitié les dégâts infligés par les ennemis. Bon bah. Tu m'as battu, Smogogo. Ouais, ça c'est un checkpoint. Oh là. C'était le boss, lui. Non, c'était pas le boss. Le boss c'est qui va venir. Je sais plus s'il y a un truc à faire ici. Ah oui. Ok, donc ça va. Voilà. C'est le stress? Ouais, c'est ouais. Il est stressé cet enfant. Le boss il va venir. Oh là là. Dégré un intrus. Hey, mode... Gigantelle. Ouais. Non. Ah oui, il est chiant ce boss, hein. C'est un truc de malade. C'est l'un des plus durs dans le jeu. Ah ouais? Ouais. Sinon, le reste, c'est... Allons-nous y arriver? Oh oui, on va y arriver. Non, d'habitude, je rentre dedans comme ça.
Bah, dans la version Game Boy, mais c'est vrai que là, c'est pas la Game Boy, là. Mais il voit une fois, c'est trop près de lui. C'est lui qui me saute dessus, mais si je suis trop au bord, après, il me rentre dedans et je tombe. 3. Oh putain. 3. 4. Non. Ouf. Purée. Bah on réessaye, hein. Il va nous remettre au boss ou pas? Oui. On réessaye, ouais. Moi je voulais pas mourir, surtout son premier boss, c'est n'importe quoi. Heureusement que tu joues plus sur la NES ou Game Boy. Hein, concentre-toi. Ouais. C'est qu'en plus j'ai la manette qui me glisse entre les mains. Hein. Sérieux, j'ai la transpiration. Hein. En plus que c'est con qu'il n'existe pas une manette aérée, tu sais. Ouais, non, ça a battu, mais j'en suis pas trop fier quand même. Bon, bah, moi, j'en propose que pour un épisode 1, bah, on en reste là. Parce qu'on a battu le premier boss. Ouais. Hein. Et bah, demain, vu qu'on est sur cette lancée, demain, on vous fera peut-être un épisode 2. Oui, voilà. Un petit épisode 2, ouais. Ouais. Espérant que tout se passera bien avec notre capteur de jeu. Oui. Allez, on n'oublie pas le petit like, oui. Le petit commentaire, le petit abonnement si ça t'a plu. Oui, peut-être même la cloche pour ne pas louper nouvelles vidéos. Hein, ou oui. Nos lives, parce que le week-end prochain, on a un gros week-end avec Paris Manga le samedi. Et encore, on ne sait pas si on fait Paris Manga samedi et dimanche. Si samedi, on se fait Paris Manga et dimanche, la brocante dans notre ville. Donc, on vous tiendra au courant. En tout cas, oui, on vous tiendra en courant, surtout sur Instagram et Snapchat aussi. Voilà, et donc Twitter et Facebook. Voilà, ouais. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Bon, c'était une découverte. Hein, voilà. Voilà. Et on se quitte sur ça. Allez, à ciao, ciao. Like a Hellcat.